Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande émission à événement exceptionnel, émission exceptionnelle. TV Vendée a décidé de bouleverser ses programmes pour vous proposer une émission sur la tragédie qui a touché nos confrères de Charlie Hebdo mercredi matin en fin de matinée. Nous avons voulu savoir, échanger ensemble, notamment sur les répercussions éventuelles, les répercussions locales. En plateau avec nous aujourd'hui, Aurélien Martin, rédacteur en chef de TV Vendée. Bonjour. Bonjour Adèle. Merci. Joël Bigorne, vous êtes le directeur départemental de Ouest-France en Vendée. Bonjour et merci de l'invitation. Bonjour Adèle, bonjour à tous. L'émission s'est fait un petit peu dans la précipitation. Et puis Guillaume Néel, bonjour, vous êtes caricaturiste et vous travaillez de Nantes et vous travaillez notamment en local avec le Sans-Culotte, nos confrères du Sans-Culotte. C'est ça, tout à fait. Qui paraît tous les mois dans les kiosques. Moi, ma première question, elle est très simple et elle s'adresse d'abord à vous, Guillaume. Quand on parle de Charlie Hebdo, évidemment, on a tout de suite en référence les dessins, les dessinateurs et les dessins. J'ai une question très simple. Vous faisiez quoi hier matin quand vous avez appris l'annonce? Vous étiez où ? J'étais sur Nantes, j'étais dans mon agence et j'étais en train de faire un croquis pour des clients à Malvé. Lorsque j'ai appris ça, en fait, j'ai reçu une notification sur le téléphone. Et au début, j'y ai pas cru. Je me suis dit, bon, bah, ça, c'est peut-être un canular ou une bêtise comme ça, quoi. J'avais entendu le matin toute une conversation sur France Inter par rapport au livre de Houellebecq. Je me suis dit, bon, bah, voilà, quoi. Peut-être qu'il y a un coup de buzz et tout. Et puis, en fait, bah, non, quoi. C'était pas ça du tout. C'était même très tragique. Et après, bah, du coup, lorsqu'on réalise, bah, c'est une foule d'émotions. C'est tout un tas de choses qui font que ben, ça peut remettre en cause beaucoup de choses quoi, dans votre tête, dans votre façon de penser, dans tout ça. Quoi. En tant que dessinateur, quand vous avez appris notamment le décès d'abord de Cabu, ensuite de Charme, ensuite de Volinsky, Tignus, etc., qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Envie de vomir. Mmh. Envie de vomir, sueur froide, je sais pas, moins moite. Vous en connaissiez certains ? J'en ai rencontré quelques-uns, effectivement, sur des salons, voilà, quoi. Pas passé assez de temps à parler avec eux, du coup. Mmh. On se dit toujours qu'on aura le temps après. C'est pas vrai. Et donc, du coup, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. On va dire un mélange d'émotions, parfois un peu contradictoires, voilà, quoi. Après, surtout pas envie de se cacher. Mmh. Plutôt envie de répondre, quoi. Et de répondre avec nos moyens. Quoi. Juste avant, Joël Bigorne, je tiens juste à dire qu'on aura le préfet tout à l'heure par téléphone qui nous donnera sa réaction. Joël Bigorne, on fait quoi ? On est comment quand on apprend la nouvelle ? Surtout dans une rédaction. J'ai appris la nouvelle dans la voiture sur France Info. Puis après, il y a eu tout ces avalanches, cette avalanche de messages. Ouais. Mais puis de coups de téléphone de collègues parisiens qui connaissaient bien les dessinateurs en question, les journalistes. Moi, je préfère parler de journalistes et de dessinateurs après, d'artistes, mais d'abord des journalistes. Le dessin peut avoir un pouvoir d'information absolu. C'est pas même parfois redoutable. Plus que les mots, je parle peut-être aussi. Je parle à mon voisin. Oui. Et donc, quand on apprend ça, on est décontenancé, bien sûr. Il y a de l'émotion. Moi, je ne les connaissais pas. Hein. J'en avais croisé comme ça quelques-uns sur le plateau de Libération quand j'ai fait des stages à Libération. Mmh. Mais je ne les connaissais pas. Mais Charlie Hebdo, ça faisait partie de mes lectures, pas régulières. Mais enfin, bon, je lisais Charlie Hebdo. Parfois, ça fait effectivement un choc. Ça fait un choc. Ça fait partie du paysage. Ça fait partie du paysage. D'autant que Charlie Hebdo, c'était aussi des textes. Il n'y avait pas que des dessins. Il n'y avait pas que des dessins. Il y avait des analyses pertinentes, des analyses économiques. Enfin, c'était devenu un journal presque sérieux. Se prenant pas au sérieux, mais sérieux. Sérieux, oui. Dans les sujets, c'était des sujets de fond, traités de manière pertinente. Et donc, oui, c'est une perte, c'est une tragédie. Moi, j'appelle ça, j'appelle ça comme ça, une tragédie. Aurélien, Moi, à la rédaction. À la rédaction. Voilà, bureau, les chaînes du Tout Info allumées, forcément, parce qu'on suit ça. Et puis, on découvre ça.
Et on est sidérés, en fait. On est sidérés parce que, même sans forcément le connaître, c'est des noms, c'est des... Voilà, on les connaît, il y a une proximité, et je pense que ça rajoute forcément à ce sentiment. Et puis, certains ont parlé d'un 11 septembre à la française, en tout cas. Intellectuel aussi. En tout cas, je pense qu'on se souviendra de ce qu'on faisait ce jour-là. Ouais. Donc, en ce sens-là, oui, ça a une portée, évidemment, capitale, avec une accélération via les réseaux sociaux, via les chaînes Tout Info, une accélération du temps, j'ai trouvé. Mais qui a aussi cet aspect positif, c'est-à-dire que toutes les mobilisations elles sont faites aussi via les réseaux sociaux. Donc on voit la mauvaise nouvelle, a été transmise très vite. Et en même temps, l'élan de solidarité et le fait de serrer les coudes, il s'est propagé aussi vite. Les réseaux sociaux, souvent, on les critique pour justement... C'est le principe d'un réseau. C'est viral, les réseaux sociaux, à la voilà, base. Mais là, ça a été... Il faut quand même saluer, si on s'est retrouvés mercredi soir nombreux sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, C'est parti des réseaux sociaux. C'est parti des réseaux sociaux, voilà, complètement. Qu'est-ce qu'on fait en tant que rédacteur en chef quand on apprend une nouvelle comme ça? On met les équipes en place tout de suite, on... Joël? Oui, enfin, c'est l'info qui prime. Donc, d'abord, la première chose, quelles incidences... On est quand même un journal régional. Quelles incidences au niveau local? Est-ce que, par hasard... il n'y aurait pas parmi les blessés ou les victimes des gens du coin? C'est la première chose, bien sûr, qu'on recherche. Et puis après, il y a les réactions diverses et variées de tous les Vendéens. Il y a une manifestation qui est organisée spontanément par les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. Donc, et pas qu'à La Roche-sur-Yon. Et pas qu'à La Roche-sur-Yon, bien sûr. Donc nous, on est un journal régional, donc on est en relation avec l'ensemble des 11 autres départements. On essaie de faire un journal cohérent, et je pense que là, on a travaillé vraiment dans la spontanéité, c'est notre rôle. On voit justement à l'écran la couverture de Ouest-France d'un dessin de Chenu. Emmanuel Chenu, oui. Voilà, de Chenu, qui est paru ce matin. Qu'est-ce qu'on... Aurélien, au niveau des équipes, il y a deux temps, c'est un peu, on ne va pas entrer dans les détails techniques, mais il y a le JT d'hier soir, mercredi soir, où on se dit, on est une équipe qui est un petit peu réduite, donc on se dit comment on fait pour transmettre un peu ce qu'on perçoit. Voilà. Alors nous, on a choisi deux choses. On a choisi d'axer principalement sur ce qu'on a ressenti, c'est-à-dire la volonté d'une unité nationale par-delà les divergences, les clivages politiques. Donc on est allé à la rencontre des 5 députés vendéens. On aurait pu faire un autre choix. C'est un choix qu'on fait à ce moment-là pour entendre une parole, pour voir ce qu'ils ont éventuellement à nous dire. Le journal de ce jeudi soir est entièrement consacré à ça, parce qu'il se passe plein d'événements. Et on va en montrer qu'une infime partie, finalement, par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y avait encore cet après-midi une manifestation à La Roche-sur-Yon de lycéens. On n'était pas forcément au courant, on la découvre, on tombe dessus, on en parle. Donc il faut pouvoir dire un peu, si on ne peut pas être exhaustif, parce que je pense qu'on ne peut pas l'être, dire un peu de tout ce qui s'est passé par petites touches. Je ne sais pas si je peux prendre cette... par référence au dessin. On décrit un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On voit la minute de silence au lycée de Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon de ce midi, parce qu'il y a une minute de silence qui a été demandée à midi. Il n'y a pas que ce lycée-là, il y a eu des minutes de silence ici à TV Vendée, partout. Saint-Gilles, etc. Guillaume, quand on voit cet acte odieux, ça veut dire qu'on peut tuer pour des dessins? Bien sûr, on peut tuer pour des idées, en fait. Le dessin, c'est juste une expression d'idées. On dit un dessin à 100 000 mots, ça ne reste que des idées, en fait. Donc je pense que la bêtise est partout, la lâcheté aussi. On n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Ça pose la question quand même de la liberté de la presse, mais est-ce que ça pose aussi la question de la liberté en général? Joël, Bigrand? Ce qu'ont fait les terroristes, là, c'est diabolique. Parce que les crimes, mais il y a aussi cette ambiance délétère qui va de peur de s'exprimer. Oui, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais d'un climat de peur qui va s'instaurer. Les gens vont se méfier les uns des autres.
les gens, il va y avoir un espèce de repli identitaire qui m'inquiète un peu. Cette espèce de je ne sais plus qui a employé ce terme de guerre civile possible. Moi, je crois que les terroristes sont, le principal risque, c'est que cette société française se morcelle justement parce qu'elle a peur. Donc voilà, pour moi c'est ça la... Bon, bien sûr, il y a encore une fois il y a 12 morts, c'est regrettable, mais il y a ce morcellement, cette espèce de je sais pas comment vous exprimer ça, c'est-à-dire qu'on va s'auto les gens vont se méfier les uns des autres, est-ce qu'on peut s'auto-censurer quand on fait partie d'un groupe média d'ailleurs de... s'auto-censurer à partir de cet événement-là. L'exemple que je voudrais vous prendre ici. On a décidé ce matin en réunion de rédaction d'interviewer les parents d'un des journalistes qui était blessé. Ils étaient d'accord, on prend contact avec eux à 9h le matin. Ils sont d'accord pour témoigner, leur oncle et leur tante également, enfin ses oncles et tantes, également. Et puis, premier coup de téléphone vers 11h30, on n'est plus d'accord. Vers midi, 12h30, on ne veut plus témoigner, on a trop peur. Les terroristes ont gagné. Ils ont insufflé ce climat de peur. C'est ça qu'ils veulent. Il y a une unité. La France est une unité, une union. Et d'un seul coup, ils veulent imploser cette union, justement pour au profit de leurs idées débiles et extrémistes. Je vous coupe juste parce qu'on a le préfet en ligne, apparemment, Monsieur le Préfet. Oui, allô, bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau de la grande émission. On voulait avoir votre réaction concernant... Je vous invite également. Qui vous salue aussi. On voulait avoir votre réaction suite à, évidemment, à l'atrocité de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo hier matin, en fin de matinée. C'est quoi pour vous? L'important, c'est quoi? C'est l'unité nationale? On est en journée de deuil aussi? C'est quoi pour vous? La réaction du préfet, elle rejoint évidemment celle du citoyen que je suis et que je me sens peut-être encore plus avec beaucoup d'autres aujourd'hui. Vos invités et tous les Vendéens, tous les Lyonnais que j'ai rencontrés depuis hier soir, place Napoléon, encore ce matin au moment de la minute de silence qui a été suivie par beaucoup de monde devant le commissariat de la police, ouais. Le service public se sent aussi très très concerné par les événements de Paris, par évidemment le souci de préserver le bien public absolument insurpassable qu'est la cohésion nationale, et la cohésion nationale qui repose aussi sur la confiance dans les institutions et la confiance dans ce que nous faisons pour préserver notre sécurité. Il n'y a pas du tout de dispositif de mis en place localement. Enfin, je veux dire, il y a une vigilance vigipirate extrême. Bien sûr qu'il y a un dispositif, mais c'est celui que nous avons depuis plusieurs mois. Oui, c'est ça. Celui qui a été mis en place hier concerne la région parisienne avec la vigilance attentat, l'alerte attentat, qui est vraiment le niveau extrême ouais. des services. Mais le niveau qui précède celui-ci, c'est celui que nous avons en Vendée comme sur le reste du territoire national, le niveau de vigilance vigipirate qui correspond à une mobilisation permanente de l'ensemble des forces de l'ordre et des services de renseignement. La partie visible de ce dispositif, ce sont évidemment les policiers, les gendarmes, mais je veux souligner le travail de renseignement qui est fait sur l'ensemble du territoire, en Vendée comme ailleurs, dans ce domaine, pour prévenir et pour traiter l'information le plus vite possible de manière à interrompre ce qui éventuellement est en train de se préparer, et lorsque malheureusement ça a été le cas, de manière à rechercher les auteurs, évidemment à prévenir toute récidive. Donc la Vendée, de ce point de vue, n'est pas dans une situation plus critique qu'un autre territoire, mais nous n'y avons pas moins de vigilance qu'ailleurs. Je rappelle juste qu'il y a eu quand même deux policiers qui sont morts dans le drame de près de Charlie Hebdo. Aurélien, vous vouliez réagir? Non, avec une troisième, une policière qui est décédée ce matin. Alors, ça n'a pas forcément. Est-ce que c'est en lien? Est-ce qu'on sait en lien? C'est quand même conseillère municipale, une policière municipale, oui. Est-ce que c'est en lien? On ne sait pas encore. Très bien. Merci, Monsieur le Préfet. Je vous prends pas plus de temps, parce que je sais que vous êtes attendu. Merci beaucoup pour votre réaction. Merci, Aurélien. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur les propos de Joël. Est-ce que
qui semblait dire les terroristes ont gagné. Faut, alors bon, près de cette famille peut-être qui a peur, mais peut-être que c'est utopique, mais moi je préfère retenir justement ce grand moment, ce grand mouvement de mobilisation au-delà des querelles partisanes politiques. On est dans un monde qui est plus dur, qui est de plus en plus dur, où il y a effectivement des replis communautaires, où il y a des expressions très dures d'idéaux et d'idées sur fond de mondialisation compliquée, sur fond de crise économique, sur fond de tout ça, de relations internationales également complexes. Et ça fait quand même, je ne sais pas si on peut dire ça, ça fait plaisir de voir ces rassemblements, ces mobilisations. Voilà, ça a fait naître ça, et je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné, justement. Alors après, faut-il pouvoir poursuivre sur ce mouvement-là, ce premier mouvement d'unité nationale. C'est un peu dommage que ça passe par un national. Forcément. Tragédie pareille. Oui, forcément, on ne peut que regretter, mais voilà, le fait, il est là. Et est-ce que ce mouvement d'unité, est-ce qu'il peut perdurer? Moi, je préfère voir ça de la même manière que... Après, on est dans la recherche. Charlie Hebdo, c'était un symbole. Je pense que quand ils y sont allés, c'était forcément un symbole. Et j'aime bien l'idée d'associer... Il y a eu des journalistes caricaturistes... d'un hebdo libertaire, si on le classe, c'est plutôt classé à gauche, et en même temps des policiers chargés de les protéger, et la police, c'est plutôt l'ordre, elle est plutôt classée à droite, si on prend des catégories comme ça. Et là, l'unité dans la mort, dans l'attentat, dans l'assassinat qui a été perpétré, ça reflète un peu la France, quoi. Et cette unité nationale qu'on a au lendemain, dans cette journée de deuil, qu'on va avoir dans les jours à venir, si elle peut durer un peu longtemps. Il y a une espèce de retour sur l'essentiel, je trouve. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait après ce genre d'annonce? On redessine tout de suite ou on n'a plus envie de dessiner? Je pense que c'est... Dans votre cas, hein. Dans mon cas, j'ai redessiné aussitôt, en fait. Première chose, c'est la mort de Cabu, pour moi. Cabu, vous avez une anecdote à nous dire? Oui, c'est le premier que j'ai copié. Voilà. C'est-à-dire, j'avais 2-3 ans, je regardais Récréa 2. Cabu, c'est Récréa 2, c'est Dorothée. Sur Antenne 2. Et du coup, en fait, à la fin, il faisait un petit didacticiel où il montrait comment il dessinait à l'envers, à l'endroit, avec la main gauche, la main droite. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et moi, j'avais 2-3 ans et je regardais une grosse partie de l'émission pour cette partie-là. Et puis, pour faire ses dessins en même temps que lui. Alors, c'était moins réussi, bien sûr. Mais voilà, donc du coup, c'est un choc, puisque pour moi, émotionnellement, c'est un de ceux qui a été fondateur, en fait, dans mon parcours. Vous pouvez nous montrer un petit peu les dessins que vous avez faits? Je crois que vous en avez fait un juste après. Premier que j'ai fait juste après, dont je ne suis pas satisfait, mais c'était jeté. Mais c'est juste l'histoire que vous avez... Voilà, quoi. Ouais. Et la première chose, en fait... Ça, c'est Cabu. C'est Cabu, c'est ça. Et la première chose que j'ai été chercher, en fait, c'est son côté bonhomie, un peu déluré, un peu éternel adolescent, on dit à chaque fois. Il avait 76 ans. Avec une coupe au bol à la Mireille Mathieu que personne n'oubliera et qui l'a rendu... célèbre. Aussi célèbre que son trait, quoi, je pense, quoi. Et c'est la gentillesse qu'il avait, en fait, le regard doux et fou, mais gentil, pas poétique, quoi, ce genre de choses, quoi. Même dans ses dessins de presse, c'était pas l'anarchie. Il y avait toujours une petite lueur ou quelque chose, quoi. Et le deuxième que j'ai fait, du coup, c'est le plus petit, juste derrière, et beaucoup plus sombre. Avec des ailes. Avec des ailes, comme un ange. Et le questionnement. Parce que je pense qu'il faisait ce journal, je pense qu'il savait ce qui pouvait se passer, puisqu'il avait un policier avec lui jour et nuit. Pour autant, je pense qu'au moment où la balle rentre, la tête doit se poser quand même beaucoup de questions. Voilà, quoi. On va juste s'arrêter un petit peu, juste faire une petite pause. Je voulais juste préciser que cette émission est enregistrée, donc je vous propose juste de regarder les titres du journal de ce soir qui sera diffusé à 19h30 et qui est entièrement consacré à Charlie Hebdo. Bonsoir Edwige. De retour dans cette grande émission spéciale pour revenir sur la tragédie de Charlie Hebdo, je crois qu'on a en illustration les quelques couvertures qui font l'unanimité, qui se ressemblent toutes d'ailleurs des couvertures nationales qui sont sorties ce matin. Donc vous avez Libération, on va voir l'Humanité, le Télégramme qui sont ensemble, voilà. Presse Océan aussi. Et puis, un petit clin d'œil aussi à La Roche-sur-Yon, puisque des caricatures des dessinateurs ont été placardées sur, notamment, enfin,
affichés. Affichés, oui. Voilà, affichés sur à Ouest France. Et c'est un honneur de les. Voilà. De et vous savez combien de temps elles resteront? Ouest France et Journal du Pays-Yonnais aussi. On va les laisser en tout cas. D'accord. Je pense que c'est le temps qui fera son œuvre. Mmh. Tant qu'elles seront visibles, on les laissera telles quelles. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais c'est les portraits de Wolinski, de Cabu, de Tignous, d'Honoré, etc. Donc, les dessinateurs et les journalistes qui sont décédés dans la tragédie de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand une tragédie comme ça s'est passée? On fait quoi en tant que responsable de médias? Après, c'est quoi? On continue à en parler pendant très longtemps? Aurélien? C'est un peu que. Je sais pas, là, pour l'instant, on vit au jour le jour, un petit peu. À l'info. On verra ce qu'on fera demain, je sais pas. C'est pas. Faut pas que ce soit mécanique, faut pas que ce soit défini, faut qu'on en discute, faut qu'on sente un petit peu ce qu'on. Comment on répercute. Faut surtout être. Alors, nous, on a une particularité, on est que sur le département de la Vendée, donc faut être. À l'unisson de ce que ressentent les gens et de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent comme initiative. Il faut être ni plus ni moins, il faut vraiment avoir ce que j'appelle le bon zoom. Donc on va voir ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que cette fin de semaine, bon, voilà, on la connaît déjà un petit peu. Mmh. Après, la suite, c'est plus compliqué, je ne sais pas, on verra. Est-ce que c'est un début de quelque chose, Joël Bigorne? Vous disiez que vous étiez assez pessimiste tout à l'heure. Je suis assez pessimiste de nature, donc c'est pas cette histoire-là qui m'a réconcilié avec l'optimisme. Je ne lis pas dans le marc de café, j'espère me tromper, mais je crains que nous devions essuyer encore d'autres attentats de ce genre. Peut-être pas forcément tout de suite, peut-être pas forcément de la même ampleur. De la même ampleur, mais je crains qu'effectivement on soit dans une spirale de peur. Les instructions sont très claires de la part de Daesh et de l'État islamique. Mmh. C'est de taper les intérêts français là où ils sont. Donc voilà. Mmh. Encore une fois, je ne sais pas quand, je ne sais pas où. J'espère me tromper, mais je crains que ça ne soit pas le premier, le dernier attentat. Sans faire dans le catastrophisme, cet attentat s'est passé à Paris. Est-ce qu'on peut penser qu'il puisse arriver un événement, peut-être pas de cette ampleur, mais aussi localement? Je ne sais pas. C'est un peu la problématique, justement. Évidemment, on ne va pas non plus faire du catastrophisme. Mais non, avec les réseaux sociaux, juste... avec tout ça, avec l'auto-radicalisation, avec... ça peut se passer, le geste d'un fou peut se passer partout. Après, ce geste, il a plus ou moins de portée, parce que là, bon, visiblement, c'est organisé, il y a des Kalachnikovs, il y avait un lance-roquettes, bon, bah voilà, donc on sent que derrière, il y a de la structure, il y a peut-être même eu un départ sur des réseaux djihadistes à l'étranger, enfin, l'enquête le dira. Mais on a vu aussi, alors après, l'enquête est toujours en cours, on a vu quelque chose qui s'est passé en Indre-et-Loire avec, c'est pas si loin de chez nous, est-ce que c'est vraiment. D'ailleurs, est-ce que quand il y a cette radicalisation tout seul devant son ordinateur, est-ce qu'on est encore dans le religieux? Je ne suis même pas sûr. C'est là où justement il faut bien distinguer entre la foi et l'extrémisme, entre l'islam et puis. C'est quand il y a un processus d'autoradicalisation sur les réseaux sociaux, voilà, je veux dire, on est loin, peut-être même des textes, des analyses et tout ça. C'est en ce sens-là d'ailleurs que je parlais des réseaux sociaux en début d'émission. Là, on voit vraiment leur impact. Les forums, tout ça, il suffit de se balader 2-3 secondes pour voir des propos qui sont tenus, qui font froid dans le dos. Et on se dit, qu'est-ce qui fait que. Des appels à la haine, ouais. Qui sont encore présents et qui étaient présents hier. Et qui seront présents demain. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça peut jouer sur un. Sur, c'est pour ça que je distinguerai les deux. Hein. Il y a les réseaux, les gens qui sont en construction. Et puis ça peut tomber sur des esprits fragiles, qui n'ont pas forcément de perspective, et puis qui se prennent à s'imaginer un destin un peu qui redonne une perspective. C'est terrible, mais c'est un peu ça. Mm. Et qui font un geste de folie. Ça peut arriver, je pense, ça partout à ce niveau-là, oui. D'accord. Guillaume, oui, allez-y, je vous en prie. J'aimerais bien rebondir. Bien sûr, oui, bien sûr. Je ne pense pas que ça se soit passé à Paris, je pense que ça s'est passé à Charlie, parce qu'ils sont rentrés d'abord dans une autre pièce où ils se sont trompés avant de revenir. Donc je pense que si Charlie avait été à La Roche-sur-Yon, à Amiens, à Nantes, à Marseille, c'était pareil. En fait, c'était ciblé.
Et c'était ciblé parce qu'en fait, ils voulaient s'attaquer à des libres penseurs, à des personnes qui amènent la liberté et qui dénoncent tous ceux qui font, comment dire, des actions, des faits qui vont à l'encontre de la liberté et ce genre de choses, quoi. Donc c'est vraiment une attaque contre ce type-là, Charlie. Quoi. Voilà, exactement. Charlie Hebdo. Quand on est dessinateur, suite à ce genre de drame, est-ce qu'on dessine différemment ? Du tout. Enfin, après, pour ma part, hein, j'entends, ça change absolument rien. Parce que... Il y aura un avant et un après, quand même, ou pas ? Je pense que dans la presse satirique, il y aura un avant et un après, mais pas forcément chez les dessinateurs. Les dessinateurs, après, vont respecter des lignes éditoriales, mais va pas forcément y avoir, en fait, un vrai changement de la part de l'ensemble des dessinateurs. Là, la plupart, on le voit sur les réseaux sociaux, justement, puisque, pour le coup, ils sont aussi très actifs. Mmh. Nous avons très vite, en fait, mené des actions, fait des dessins pour témoigner. Ça a été très, très rapide. Donc, l'intervention a été rapide. On a bien vu que la plupart, en fait, n'ont pas, oui, pas bon, eu on envie. On en voit passer. Hein. Alors, après, on va en faire quelques-uns. On va peut-être en faire moins, le temps de quelques jours, le temps de digérer. Ça s'apaise un peu. Voilà, exactement. Quoi. Après, laisse tomber tout ça. Exactement. Après, c'est aussi notre mode d'expression. Donc, du coup, c'est un peu comme si on devenait... On voit le dessin de plantu du monde de... Voilà, exactement. C'est comme ouais. si on devenait muet, en fait, quoi. Et je pense pas qu'on peut rester muet longtemps face à ce genre d'action. Après, tout à l'heure, on parlait aussi, est-ce que ça va être pire ou moins bien après ? Je dirais que c'est comme on a pu lire dans la mythologie, quelle qu'elle soit, c'est le rythme des saisons. Il y a l'hiver. Avec le froid, ouais. Avec la rudesse, c'est exactement ce qui se passe. Il y a toujours un renouveau après. Alors, parfois, le renouveau part avec des bases saines parce que l'hiver a été sain. Parfois, il repart avec des mauvaises bases parce que l'hiver n'a pas été aussi sain qu'on ne le pensait. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas capable de dire si ça va être un hiver sain ou un hiver pas sain. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on rentre dans l'hiver, quoi. C'est assez flagrant, quoi. C'est une petite question toute bête, mais est-ce que quand on est rédacteur en chef ou directeur d'une antenne locale de médias, est-ce qu'on reçoit des menaces ? Oui, enfin, on reçoit beaucoup de menaces, oui. Mais bon, on a franchi un palier quand même. Enfin, je n'imagine pas un lecteur d'Ouest France mécontent rentrer avec une Kalachnikov dans la rédaction. Je n'imagine pas encore ça. Peut-être que ça viendra, hein. Mais par contre, on peut avoir peur, oui. Moi, je reconnais que j'ai eu peur. J'ai accompagné Bruno Retailleau à Erbil. Ouais. Il y a eu un attentat 30 minutes avant. Voilà, c'est ça. 30 minutes avant, je reconnais que j'ai eu peur. Pourtant, il y avait 30 minutes de voir des gens que j'avais vus 30 minutes auparavant allongés sous une bâche. Ça fait réfléchir. Et c'est encore une fois ce que souhaitent les terroristes, museler les gens en leur faisant peur. Oui, vas-y, non, je suis. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué de passer après forcément une telle expérience que j'ai pas vécue et que je ne souhaite pas vivre forcément. Mais il y a toujours des messages de mécontentement qu'on reçoit, mais ça c'est plutôt ça. Hein. Ça veut dire que ça débat, ça réagit. Alors, c'est souvent d'ailleurs un peu ou beaucoup caricatural, mais bon, ça en fait partie aussi, je pense. On peut avoir, ça nous est arrivé, hein, des messages. De gens un peu dérangés, ça arrive aussi. Voilà. Et donc, je reviens à ça, il peut toujours y avoir des gens dérangés qui, tout d'un coup, ont l'idée d'aller ici ou là, je ne vais pas leur donner des idées. Ça peut toujours arriver, ça. Je pense qu'il faut distinguer, encore une fois, les réseaux établis qui ciblaient Charlie comme une vengeance à ce qui avait été fait avant la publication des caricatures. Et puis, il y a ça, d'un côté. Et puis il y a tous les esprits faibles qui sont sur, encore une fois, sur Internet et qui peuvent s'auto-nourrir de choses complètement débiles. En tant que rédacteur en chef, il y aura un avant et aussi un après, c'est un peu la même question que pour Guillaume, un avant et un après le Charlie ? Ouais, je pense que c'est pas en tant que rédacteur en chef, c'est en tant que citoyen, il y aura un avant et un après, je pense pour la France, ouais, je pense. Mm-hmm. Je pense que ça a été, l'électrochoc, il est considérable. Oui, il y aura quelque chose. Est-ce qu'on, à la fois on a franchi un degré, c'est un autre degré, d'une autre nature, quoi. C'était et avec ce symbole, forcément, liberté d'expression en France.
Enfin, c'est tout pays démocratique, c'est basé là-dessus. Alors après, c'est toujours compliqué quand les, je trouve, quand les idées se crispent, quand les débats deviennent plus violents, plus virulents, de rappeler les limites, voilà, de la liberté. On dit souvent la liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Mais après, il y a plein de débats. Le débat, je ne sais pas comment il sera tranché, mais il y a une manifestation qui se veut unitaire dimanche, justement, qui se veut républicaine. Il y a la question de la présence du FN qui se pose. Savoir s'il est parti. On ne sait pas, lors de l'enregistrement, c'est pas si parti. Moi, je ne sais pas. Moi, d'un élan comme ça, c'est simple, je dirais, à partir du moment où, la démocratie lui réserve une place, il doit pouvoir y participer. Ouais. Qui est... qu'il y ait un modus vivendi où on dise pas de drapeau, pas de slogan personnel ou lié à un parti politique, et dans ce cas-là, ok, oui, ça c'est évident. Mmh. Et qu'on dise si vous voulez venir avec vos slogans, c'est non, ça je suis d'accord. Mais sinon, je pense que quelque part, c'est une limite à la liberté d'expression qui ne se justifie pas, et on retombe sur notre débat, enfin personnellement. Vous trouvez qu'il y a eu une récupération politique par telle ou telle personne de l'événement ou pas ? Et que pour l'instant, ça a été assez soft. Pour l'instant, les politiques ont été assez sobres. Je voudrais rappeler par rapport à ce qui vient d'être dit qu'hier soir, à la fin de cette manifestation à La Roche-sur-Yon, il y a eu des petits incidents, il ne faut pas non plus... entre des jeunes de la droite extrême, on va dire, pour ne pas parler d'extrême droite, et la police, et certains manifestants. Oui. Les incidents ont eu lieu, alors j'y étais pas, mais de ce qu'on m'a dit, sur le fait de sortir un drapeau français, ou de chanter la Marseillaise, donc d'une volonté de récupérer sur un camp. Voilà, c'est ça, donc, je pense que tant qu'il y avait une volonté de participer au mouvement, ça se regardait un ton champ de faïence, mais on retrouvait l'espèce d'unité, c'est quand il y a eu la volonté de récupérer. D'où la notion de récupération. Je pense sincèrement que les leaders politiques ont déjà planté leurs graines. Ils sont tous venus sur les lieux, ils n'avaient pas forcément besoin d'être sur les lieux pour témoigner. Une horreur, on n'a pas besoin d'être à côté pour dire que c'est horrible. Donc je pense qu'ils ont, à Paris, voilà, tout à fait. Donc je pense que déjà les grands leaders politiques ont déjà commencé à planter leurs graines, quoi. C'est plus, avec beaucoup plus de finesse que ce qu'on peut voir. Quand vous dites planter leurs graines, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont, récupérer, ils se sont montrés à côté de l'événement. Donc déjà, rien que ça, quelle que soit la personne, que ce soit Sarkozy, Hollande, Emmanuel Valls ou bien d'autres, on sait à quel parti ils appartiennent. Donc s'ils viennent et qu'ils se collent à côté, déjà, il y a un petit travail qui va se faire. Ça va être dans les têtes, ça va être léger. Mais après, on va pouvoir réutiliser ce passage-là, puisqu'on a déjà été associé à l'événement, pour commencer à travailler sur tout un travail en fait, de conditionnement. Quoi. Aurélien, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne serais pas d'accord, non, dans le sens où, pour moi, c'est le rôle qu'on attend d'un chef de l'État, d'un Premier ministre, qui en est trop, sans doute, au bout d'un moment, on ne va pas dire chacun doit passer, mais d'un chef de l'État, d'un ministre de l'Intérieur, d'un Premier ministre, pour exprimer une solidarité. S'ils n'étaient pas venus, on aurait dit qu'ils ont mis énormément de temps à venir. C'est extrêmement compliqué. Je pense qu'on a besoin... Dans la politique, il y a de la communication. Elle est là, hein, c'est un fait. Parfois, elle est utilisée à mauvais escient et parfois à bon escient. Moi, je reconnais la possibilité et le devoir même d'un chef de l'État de venir et d'avoir une parole et de dire quelque chose. Pour moi, ça ne me gêne pas, ça me choque pas. En tout cas, au niveau local, tout le monde a été... On a vu les réactions dans Ouest-France ce matin. Tout le monde est unanime pour, évidemment... Il n'y a pas eu vraiment de récupération politique pure sur cet événement-là. On a juste dit qu'on parlait... Hier soir, il y a eu un léger différent quand même pour savoir qui devait prendre la parole. Il y avait les journalistes qui voulaient une minute de silence... Luc Boire qui voulait qu'on prenne la parole, donc il y a eu toutes ces... À la manifestation de La Roche-sur-Yon. Oui, la manifestation de La Roche-sur-Yon, il y a eu un... Bon, encore une fois, ça, il n'y a pas eu de déclaration, mais on a senti quand même qu'il y avait une différence d'appréciation, les journalistes ne voulant simplement qu'une minute de silence, un recueillement, Luc Boire souhaitant qu'on s'exprime, il s'est exprimé lui également, donc une différence d'appréciation. D'accord. Guillaume, les dessins, je voulais. Vous avez un dessin devant vous voulez en parler ou non? J'avais surtout vu le dessin où ils sont. Peut-être.
j'ai réalisé ce dessin hier soir et je suis reparti en fait d'une idée religieuse où en fait on peut faire dire tout et n'importe quoi en fait à la religion. On peut même citer des versets parfois sans qu'on sache ce que ça veut dire et hors de propos et voir s'ils existent. Donc du coup j'ai créé en fait et une pluie de crayons s'abattra sur vous et puis c'est Charlie chapitre 1 verset 2015 et avec les têtes des dessinateurs voilà. Pour montrer d'abord que il y a d'autres armes que la Kalachnikov. Il y a le crayon, il y a l'intelligence, il y a la vision, enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent aider à faire qu'on peut éviter en fait l'effet d'armes, qu'il y a plusieurs façons de mener des combats. Vous considérez que votre crayon est une arme ? Elle peut l'être, bien sûr. Bien sûr, on peut faire dire n'importe quoi, donc tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait, on peut mettre en situation des choses qui ne sont pas prenables en photo. Donc à partir de là, en fait, on peut tout à fait dépasser le réalisme, aller dans le surréalisme, aller dans l'hyper-réalisme ou aller totalement dans l'imaginaire. On peut faire tout et n'importe quoi. Après, c'est de savoir si la personne en face est capable de comprendre ce qu'on véhicule comme image et à quel degré elle le comprend et à quel degré, elle l'utilise pour elle, quoi. Voilà, quoi. Donc, est-ce que ça vous arrive, pardon, parfois de... Oui. Justement de vous dire non celui-là non non pas dans l'autocensure mais dans il sera pas compris, il sera mal compris est-ce que vous censurez c'est pas forcément ouais. Ou est-ce qu'un dessin est compris différemment que au moment où vous l'avez dessiné, un dessin peut avoir un double sens effectivement on peut dire que vous n'aurez pas forcément perçu en le dessinant. C'est possible qu'au moment où je dessine je le perçois pas, c'est pour ça aussi que souvent on est attelé avec une rédaction. Mm-hmm. C'est-à-dire que on est là pour échanger et débattre des idées. On peut être dans le vrai, on peut même être dans le vrai tout le temps et puis se tromper juste une fois, la mauvaise fois. Il n'y a pas de suite logique par rapport à ça. Par contre, non, je pense pas qu'il faille, se brimer, se bloquer, se censurer. Pas se brimer, mais se dire, ce dessin-là, il sera pas compris, donc je le mets de côté, je le range, je le mets à la corbeille, je sais pas, ça vous est jamais arrivé ? Alors, on fait souvent plusieurs croquis. D'accord. Vous proposez ensuite et après, voilà, on propose et ensuite on fait un choix autour de ces croquis. D'ailleurs, le dessin d'Emmanuel sur Ouest France est resté à l'état de croquis. Il y a juste un petit fond comme ça rapide, mais on voit bien qu'il y a été trait de construction. On sent le crayon papier derrière, quoi. C'est pas son trait habituel, quoi. Donc on va émettre ça. Alors c'est possible que parfois on soit sur un niveau de réflexion qui n'est pas de l'ordre du premier, deuxième degré, mais qui est beaucoup plus loin et qui nous fait rire que nous, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on a tellement l'habitude de certains retors et ressorts et ficelles que, on a besoin de ça, nous, pour s'évader. Ceci dit, on est vite rattrapé par la réalité. Et si le rédacteur nous dit « j'ai pas compris », refait, on repart sur autre chose. Et voilà. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. On vous fait des commandes ? Est-ce qu'on vous commande un dessin ? C'est-à-dire qu'on vous dit... Oui. Je veux tel thème, tu me fais ça ? Voilà, en fait, souvent, ce que je reçois, c'est l'article. Alors, le pré-article, pas toujours finalisé, pour avoir l'idée, le condensé, pas encore taillé, pas encore diminué. Et vous avez une idée ? Et voilà, pour que je puisse m'inspirer. Donc après, pour ma part, je fais beaucoup plus de caricatures de presse, donc plus uniquement le visage, juste la personne en train de faire quelque chose, un geste, par exemple là comme Cabu en train de dessiner, ou vous-même en train de dire je suis Charlie. Ouais. C'est pas mal, Aurélien. Ouais, c'est pas mal. Peut-être pas mieux d'ailleurs que l'original, presque. Je me demande. Ouais. On me demande plus ce genre de choses, quoi, parce que j'ai développé beaucoup plus de qualités graphiques pour aller loin dans la déformation, dans l'expression et la ressemblance, quoi. Après, on me fait aussi des commandes de dessins de presse. Ouais, parce qu'il y a une différence entre la caricature et le dessin de presse. Le dessin de presse, il y a un message. Le dessin de presse, c'est un concept, c'est un message. C'est pas identitaire. On peut pas identifier quelqu'un. Alors que sur la caricature, on identifie quelqu'un. Sauf si elle est ratée, mais. D'accord. Mais vous travaillez pour le sans culotte chez nous. On vous a déjà contacté pour faire un dessin pour le sans culotte. Est-ce que vous avez déjà ce que vous voulez ? Pas pour ce mois-ci, mais ça va pas tarder. En lien avec les événements, je suppose. Je pense que Marie doit être en train de travailler dessus.
de se tirer les cheveux pour savoir sur quoi elle va repartir. Marie Kélérin, son chef, Marie Coque. Oui, Marie Coque. Pour voir sur quoi elle va repartir. Pareil, Fakir va pas tarder à me faire sa commande. Donc, du coup, je pense que eux aussi, ils doivent être en train de mouliner, de se dire comment on rebondit, comment on traite. Parce que c'est surtout derrière, il faut garder et la ligne éditoriale de base et faire l'hommage. Savoir comment on peut mêler les deux, c'est pas forcément les mêmes idées, les mêmes courants, la même ligne éditoriale, le même humour. Donc du coup, voilà, il va y avoir tout ce travail-là, et je pense qu'effectivement, là, ils vont pas tarder à contacter, quoi. Très bien, merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, on retrouve les programmes traditionnels de TV Vendée. Je vous remercie, bonne soirée à tous.